forêt égale un des hommes les plus éclairés, les plus nobles, les plus généreux. Ce grand homme était un bonhomme et le meilleur des hommes. Je disais hier que la perte d'un tel coffret était pour nous un deuil de famille. Il est toujours difficile de résumer la vie d'un homme en quelques lignes. Une vie au service des autres ne l'a pas empêché de rester très attentif et proche des siens, que son âme repose en paix. Que la perte d'un tel coffret était pour nous un deuil de famille. Il est toujours difficile de résumer la vie d'un homme en quelques lignes.